Aujourd'hui, j'ai regardé la vidéo de Ousmane Yelo. Ousmane Yelo, tu n'as pas honte. Toi, tu n'as pas honte de dire que la Guinée appartient à tous les Guinéens. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Tout le monde peut vivre là où il veut. Tu n'as pas honte de dire ça. Tu n'as pas honte de dire ça. Hein? Nous tous, nous avons vu nos parents en Haute-Guinée qui ont brûlé la maison de nos frères, qui ont brûlé la maison de nos sœurs. Tu étais où? En Haute-Guinée, on te montre là-bas carrément que ouais, ici, c'est pour les malinqués. Carrément. On te montre carrément que oui, Haute-Guinée, là, c'est pour les malinqués. Aujourd'hui, il y a l'or à Gawal, Kounsitel. Tu dis que ouais, la Guinée appartient à les Guinéens. Fuck you, bro. Fuck you. La Guinée n'appartient pas à tous les Guinéens, non? Mais la Guinée est bien divisée en quatre régions naturelles. Il y a la Basse Guinée, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée forestière. Donc la Guinée est bien divisée, bro. Est bien divisée. La Guinée n'appartient pas à tous les Guinéens. La Haute Guinée là appartient à les malinqués. La Moyenne Guinée appartient à les peuls. La Guinée forestière appartient à les forêts. La Basse Guinée appartient à les sous-sous. Nous, ça me fait mal quand je fais les vidéos pareilles là, de parler les ethnies. Moi, j'aime pas parler des ethnies. Mais c'est vous qui poussez les gens de parler. Ça aussi, il faut qu'on en parle pour découvrir la vérité, pour mettre la vérité à la disposition des Guinéens. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est faux. Au moment qu'ils ont brûlé la maison des peuls en Haute-Guinée, tu étais où, Ousmane Yelo? S'il vous plaît, maximum de partage la vidéo. Il faut partager la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et si vous pouvez taguer Ousmane même, vous pouvez le taguer pour moi. Il n'a qu'à bien écouter le message. Mais Ousmane Yelo, c'est les gens, eux, ils font le combat pour le gouvernement. Ils font les vidéos pour le gouvernement. Ça veut dire quoi? Il y a de ces grands qui travaillent, qui sont des ministres, qui sont des directeurs. Ils font les vidéos à cause d'eux. Quand il finit de faire la vidéo, il appelle un directeur ou bien un ministre. Ouais, ah, j'ai fait la vidéo comme ça, ainsi de suite. Nous tous, on peut faire ça. On peut faire ça. Mais un jeune doit toujours défendre la vérité. En tant qu'un jeune, il ne faut pas accepter que les vieux qui passent, qui ont fini de faire leur vie, te manipulent aujourd'hui en 21e siècle. Il ne faut pas accepter cela. Il ne faut pas accepter, Ousmane. Ils ont brûlé la maison des peuls en Haute-Guinée. Chasser les peuls en Haute-Guinée. Hein? Chasser les peuls en Haute-Guinée. Tu étais où? Tu n'as même pas branché un mot. Un seul mot. Mais il faut respecter ta communauté quand même. Il faut respecter. Moi, je ne te condamne pas pour ta politique. Ouais, c'est normal, on est en démocratie, tout le monde est libre de choisir là où il veut. Mais quand tu as choisi ton parti là, il faut choisir ton parti et il faut comprendre que oui, après le parti là, le régime qui vient demain, est-ce que je peux vivre tranquillement? Le régime qui vient demain, est-ce que moi et ma famille, on peut rester en Guinée? Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça, mon frère. Personne n'est contre toi. Fais ta politique comme tu veux. Personne n'est contre toi. Personne n'est contre toi. Fais ta politique comme tu veux. Mais il faut respecter quand même les ethnies. Il faut respecter les sages. Il faut respecter les communautés différentes quand même, bro. Quand même, il faut respecter, mon frère.
Regardez ce qui s'est passé en Haute-Guinée. Nous tous, nous avons vu les vidéos, différentes vidéos. Tous les Malinké ont parti mettre le feu dans les différentes maisons des peuples. On a vu ça. On a vu les Malinké qui ont parti casser les boutiques des peuples. On a vu ça. Tu étais où, mon frère? Il faut respecter quand même. Si le régime là t'a mis dans ta tête que oui, après Alpha Condé, il y a un autre qui vient dans l'RPG, c'est faux. Il n'y aura pas la continuité en Guinée. Mon frère, il faut sciencer. Il n'y aura pas la continuité en Guinée. Jamais de la vie. Il n'y aura pas la continuité. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en 21e siècle, le temps de feu Ahmed Sékou Touré, c'était comme ça, c'était pareil. Le temps de feu Ahmed Sékou Touré, nos parents, ils ont vu Colonel Diarra Traoré qui ont parti recruter les jeunes malinqués en Haute-Guinée. Dites à les jeunes malinqués que oui, quand Sékou Alraya Fama, quand il va perdre le pouvoir, eux que vous acceptez un autre pouvoir, ils vont nous tuer tous. C'est ça leur mentalité. C'est ça qu'ils disent à les enfants en Haute-Guinée, à les jeunes malinqués. Et pourtant, c'est faux. C'est ça leur problème. C'est faux. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Regardez, ministre de la Sécurité ou bien ministre de quoi, votre docteur Gianni. Regarde votre docteur Gianni qui est en train de recruter 2000 jeunes. 2000 jeunes. Mais les 2000 jeunes là, 95% viennent de la Haute-Guinée. 95% viennent de la Haute-Guinée. Après, ils disent à les jeunes que non, il ne faut pas accepter que les Malinqués perdent le pouvoir. Sinon, le régime qui vient, ils vont tuer tous les Malinqués. C'est faux. Quand le feu général Lansana Conté était là, on a vu. On avait oublié ça. Le problème d'ethnocentrisme. On avait oublié ça. Parce que ce qui s'est passé au temps de Sékou Touré, on n'était pas là. On n'était pas nés. Ceux qui étaient nés le temps de Sékou Touré, 60% sont décédés, ou bien même 70% sont décédés. Donc le temps de compter, c'est ce que nous on a vécu. On n'a jamais vu cette différence où telle personne est malinké doit travailler ici cette fin. Non, arrêtez ça. Donc Ousmane, il faut comprendre que il faut te battre pour ton parti RPG Alcancer, c'est normal. Il faut te battre pour ton parti RPG. Mais de dire que ouais, les Denzo ne vont pas quitter, mais c'est vous les jeunes de Gawal, c'est vous les jeunes de Kounsitel. Non, vous êtes tellement faibles là-bas. Vous êtes tellement faibles les jeunes de Gawal. Les jeunes de Gawal, vous êtes tellement faibles. Comment est-ce possible que quelqu'un peut se déplacer en Haute-Guinée jusqu'à chez vous? Parce que Koundara, c'est dans la basse Guinée. Ouais. Quelqu'un quitte de la Haute-Guinée jusqu'à chez vous. Il vient vous mettre en otage là-bas. Mais les jeunes de Koundara, vous aussi, mais, c'est un peu triste, voilà, c'est un peu triste. Donc, c'est ça leur mentalité. Ils disent toujours que ouais, c'est la continuité. Mais on a vu le temps de feu Ahmed Sékou Touré. Quand feu Ahmed Sékou Touré est décédé, donc, paf,
Ils pensaient que c'était la continuité, mais Dieu, Allah Oujawajal, il n'aime pas l'injustice. Vous savez pourquoi les Malinké ont perdu le pouvoir en 84? Parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. C'est l'injustice qui a fait que les Malinké ont perdu le pouvoir en 84. C'est ça qui vient de se reproduire encore. Nanamon Fafé Rabadeki. Atanamon Fafé Rabadeki. Parce que eux, ils pensent que oui, mon amalinke, je n'ai pas eu ce pouvoir, mon gars, mon as est revenu que ouais, on a perdu le pouvoir, c'est fini, et mon inke beurre me ferme, et pourtant, voulez-vous, Nara? C'est dans ça, vous avez resté dans ça, jusqu'à Dieu a donné le pouvoir à un innocent, qui est le feu général Lansana Conti. Ou mon fafé, nana mon meki. Ou mon fafé, nana mon meki. Fali Fofona. Eh Benito, c'est un vieux con. C'est un vieux con. Lorsque je dormais, je regardais sa vidéo. Il parlait des carburants, que oui, dans le monde entier, carburant est monté partout dans le monde entier. Mais il a oublié qu'aux États-Unis, même si on achète le carburant à 3 dollars, mais un simple restaurateur aux États-Unis peut gagner 4 000 $ par mois. Est-ce qu'en Guinée, un simple restaurateur peut gagner 1 000 $ par mois? C'est impossible. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils disent que oui, aux États-Unis, c'est 1,84 ou bien 87 dollars, presque 2 dollars. En Europe, 2 euros ou bien je ne sais pas, comment il s'appelle, le pays là. J'ai même oublié le pays là. Ça fait partie, mais eux, en Europe, quand le prix augmente, les salaires augmentent, eux, ils gagnent mieux que nous. Parce que, regarde, même si le carburant, c'est à 3 euros, essentiel, les Français, je ne parle pas les migrants, les Français, tous ceux qui ont le papier, tous ceux qui ont la nationalité, sauf s'ils disent que ouais, ils ne veulent pas travailler, mais s'ils veulent travailler, au minimum, ils peuvent gagner 1 500 euros par mois. Aux États-Unis, si tu veux travailler, minimum, tu vas gagner 4 000 $ par mois aux États-Unis. Donc même si eux augmentent le prix de carburant, ça n'a rien à voir en Guinée. Si la Guinée augmente le prix de carburant, mais c'est purement... Je ne sais même pas comment je peux dire ça. Donc Fali Fofona, c'est ça que je vais te dire. Il est en train de faire la vidéo le matin. Mais si Damaro vient ici à Dakar, mais Dakar, c'est pas chez moi. Moi, je suis un simple Guinéen. Moi, je suis là pour la vacance. Juste quelques semaines, je dois quitter. Donc, c'est pas chez moi ici. Hein. Voilà. Donc, Ousmane, qu'est-ce que je vais te dire? Qu'est-ce que je vais te dire, Ousmane? Il faut comprendre d'abord le jeu politique. Je t'avais dit ça. Il faut pas que les vieux, là, te mettent dans le problème. Demain, leur régime finit. Tu ne peux pas te réconcilier avec ta communauté. Tu ne peux pas te réconcilier avec les Guinéens. Il faut comprendre ça. Si tu veux défendre le parti, il faut défendre le parti. Mais il faut respecter quand même les communautés des autres. Parce que les peuples, ils ont été victimes en Haute-Guinée. Et Rassé Brinkana. Si c'était moi, le jour là, si je suis dans RPG, je vais quitter dans RPG le jour là. Parce que je vais dire mes 4 vérités jusqu'à vous allez m'enfermer en prison. Comme ce que tu es en train de dire comme ça. Que tous les Guinéens ont libre de vivre là où ils veulent. Mais pourquoi quand ils ont brûlé la maison des Peuls en Haute-Guinée, tu n'as pas dit la même chose?
Tu devrais dire la même chose aussi, frère. Tu devrais dire à les hautes Guinéens que hey, les frères, arrêtez. Les Guinéens doivent vivre partout ils veulent. Mais aujourd'hui, tu. Merde. Merde. Mon frère, Dubaï. Ibrahim Yansane, Dubaï. Même si, ok, je comprends, même si Dubaï vend le carburant à 5 dollars, vous comprenez, non? On dit Alhamdoulilah, Shukralillah, Dieu merci. Dubaï qui vient de prendre, Émirats Arabes Unis qui viennent de prendre leur indépendance tout de suite là. Le 2 décembre 1971. Le 2 décembre 1971, ils ont eu leur indépendance. Mais regarde comment Émirats Arabes est construit aujourd'hui. Tu peux comparer ça à quel pays de l'Afrique? Tu ne peux pas. Wa alaykoum salam. Tu ne peux pas comparer. Tu ne peux pas comparer. Émirats Arabes là, Nerebirinana, tous ceux qui sont là-bas, les Arabes, s'ils travaillent, ils peuvent gagner. Il peut gagner jusqu'à 5 000 dollars par mois. Jusqu'à 5 000 dollars par mois. Donc le problème c'est où? Les Guinéens ne gagnent même pas 500 dollars par mois. Vous dites que oui, les autres pays ont augmenté le prix de carburant. C'est des bêtes, ils ne comprennent pas. C'est des bêtes. Ousmane, tu dois refaire ta vidéo encore, frère. Moi, je ne suis pas contre... Voilà, ta position politique, c'est ta position politique. Je te respecte en tant qu'un frère. Mais il ne faut pas camoufler quand même la vérité. Il ne faut pas camoufler quand même la vérité. La vérité est là. La vérité est là. Il faut refaire ta vidéo. Voilà, il faut refaire ta vidéo. Soi-disant que tu lances un appel en Haute-Guinée. Tu dis à les Haute-Guinéens là. Tous les Guinéens ont libre de vivre là où ils veulent. Allez, hein? Et puis le gouvernement même, il est irresponsable. Quelqu'un qui vient communiquer au nom du gouvernement, lui, il s'assoit, il insulte dans sa vidéo. Il insulte dans sa vidéo. Après, le gouvernement le soutient. Où on va? On a vu le vieux, comment il s'appelle? Oulada, qui insulte. Après, le gouvernement lui donne le trophée. Là, il est là. Non, ça fait honte. Ça fait honte, vraiment. Donc, la famille, c'est un peu ça. Comprenez que la Guinée est bien divisée en 4 régions naturelles. Donc, c'est ça, la famille. Portez-vous bien.